des géantes se dressent. Leur pouvoir et talent façonnent notre trêve. Du passé au présent, elles inspirent notre voix des femmes guinéennes, des forces qui s'élèvent avec foi. Célébrons ces géantes qui d'hier à demain portent nos espoirs et nous montrent le chemin. Leur héritage éclatant continuera de briller pour un avenir radieux, leur lumière à jamais pour nous guider. 66 ans déjà, la Guinée lève le poing. Le 2 octobre résonne encore un écho lointain. Non, disait Sékou, refusant les chaînes de l'Empire. Le sol s'est ouvert, les peuples ont choisi de s'instruire. Des rivières de Fouta aux collines de la forêt, l'esprit d'indépendance, un feu qu'on ne pourra jamais freiner. Conakry s'élève, ville qui danse avec les vagues, tandis que chaque région apporte les rythmes et les vagues. Mamaya, sur les places, sous les balafons qui vibrent, les mains levées au ciel comme des branches qui s'enivrent, on chante l'héritage, on chante la douleur et la foi de Sigiri à Zérokoré, la voix de la terre en émoi. 66 ans d'espoir, de lutte et de rêves mêlés, des conquêtes collectives et d'unité, toujours cette Guinée debout sous le soleil rouge, ce peuple qui avance. Les enfants chantent encore les mots d'hier et de demain, les forgerons au labeur sculptent la liberté de leurs mains, les femmes des marchés héroïnes au quotidien, les cultivateurs s'unissent, nourrissent les lendemains. Ce pays des mille peuples, des mille cultures liées sous le même drapeau, des couleurs à ne jamais oublier. Le rouge du sang versé pour la liberté conquise, le jaune du soleil, des ressources qu'on valorise. La Guinée, c'est le vert de l'espoir, des forêts sans fin. C'est la jeunesse qui rêve, le futur qu'on dessine enfin. C'est ce cœur qui bat malgré les doutes et les failles. Avec 66 ans d'histoire, chaque jour une nouvelle chaîne, chaque jour une nouvelle bataille. Alors slamons cette terre d'ébène et de poussière d'or, ce peuple si fier, si fort, les pieds enracinés dans le sol, les yeux rivés sur l'horizon, la Guinée avance au rythme de sa propre saison. La Guinée, Guinée, la Guinée, Guinée, la Guinée, Guinée, la Guinée, Guinée, Wanouali. Je suis Naftari, Slam. Je vous l'avais annoncé, sa plume reste incisive. Les femmes prennent le pouvoir en ce 2 octobre, ici même, dans cette cérémonie de commémoration des efforts et sacrifices de nos illustres dévanciers, Diaka Camara. Absolument, Moussa Daraba. Le passé est féminin, le présent est féminin et le futur restera féminin. C'est important de le rappeler. Nous allons enchaîner avec la forêt. Justement. Nous allons faire une petite pause. Avant cela, permettez-moi justement, on sait que dans la numérologie, le chiffre 6 incarne aussi la féminité. Donc 2 fois 6, ça fait 2 fois plus de féminité. Mais mesdames, les membres du gouvernement, permettez que nous saluions la présence parmi nous des autres membres du gouvernement qui ne sont pas des dames. C'est-à-dire, messieurs les ministres, merci d'être parmi nous, merci de votre présence. Est-ce qu'on peut applaudir pour les ministres du gouvernement, s'il vous plaît? Et puis, sans oublier l'organe qui fait office de parlement, c'est-à-dire le Conseil national de la transition, nos honorables conseillers nationaux, ils sont parmi nous, ainsi que nos honorables conseillères nationales. Et une mention spéciale faite à Madame Massoud Barry, qui a réussi à faire de son handicap une force. Aujourd'hui, malgré son invalidité, elle siège au Parlement, elle vote des lois, et je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, comme pour dire que rien ne résiste à la volonté. Aïcha. Effectivement, Daraba, pour clôturer ces hommages, je me permets de parler des femmes qui ne sont pas visibles, ni sur Internet, ni à la télé, ni ici aujourd'hui, mais qui travaillent sans relâche au quotidien pour nous faire briller. Je parle de ces femmes qui se lèvent tôt le matin à 5 heures pour aller vendre des légumes, des fruits, du poisson au marché. Je parle de ces femmes qui amènent leurs enfants à l'école.
Je parle de ces femmes qui aident ces hommes au quotidien à réaliser leurs actions. Je parle des femmes maquilleuses, coiffeuses. Je parle de ces femmes de l'ombre qui nous permettent encore une fois de briller. Mes hommages à ces femmes de l'ombre. Sous vos ovations, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces mères, ces tantes, ces sœurs, ces grand-mères, premières à se lever et dernières à se coucher? Elles méritent tous nos honneurs. Merci pour ce clin d'œil, Aïcha. Je pense qu'elles sont aussi nombreuses derrière leurs écrans, leurs petits écrans à la maison, en train de suivre cette cérémonie qui ne peut que nous rendre fiers du rouge, jaune et vert. Absolument. Et nous allons poursuivre, maintenant si tu me permets, Daraba, avec une petite escale musicale. Nous allons aller du côté de la forêt avec cette dame, cette icône, cette légende, Seni Malomou. Nous prions de bien vouloir l'accueillir sur cette scène. C'est une icône incontestée et incontestable de la chanson de notre pays. Et elle nous enverra à la découverte de la culture riche de la Guinée forestière. Seni Malomou, s'il vous plaît. Malgré le poids de l'âge, elle garde encore son dynamisme et ce punch qui l'a toujours caractérisé sur scène, l'inoxydable Seni Malomou Aïcha. Seni Malomou qui a bercé notre enfance, en tout cas nous, qui a bercé notre jeunesse. J'étais tout sourire de redécouvrir cette dame emblématique qui marque la culture guinéenne et qui aujourd'hui se retrouve devant nous. N'est-ce pas, Djaka? Absolument, absolument. Encore une fois, la femme guinéenne est extraordinaire. Nous sommes les meilleurs dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Prenez tout, c'est votre jour, c'est votre année. On accepte. Voilà, prenez tout, tout vous appartient. On prend. D'accord. Permettez que je salue la présence parmi nous parce qu'il y a beaucoup d'amis de la Guinée, des amoureux de la Guinée qui ont rejoint notre pays à l'occasion de ce 2 octobre, cette célébration de nos 66 ans. Puisqu'on est en région forestière, on va partir juste à côté pour saluer la présence parmi nous de figures de la télé ivoirienne. Il s'agit notamment de Monsieur Gou Michel, Digbé Cravate et Clémentine parmi nous. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci. Akwaba, comme ça se dit chez vous. Aïcha. Exactement. La Côte d'Ivoire, justement, qui a organisé la CAN il y a quelques mois. On s'en rappelle tous. Bienvenue et merci à tous nos frères ivoiriens qui sont parmi nous. Bienvenue également à tous les pays invités qui sont également parmi nous. Je note la Sierra Leone, le Liberia et également la Mauritanie qui sont présents parmi nous ce matin. Merci infiniment. Bienvenue à cette cérémonie officielle de célébration des 66 ans de l'indépendance. C'est le lieu de saluer aussi... Il ne faut pas les occulter, ce sont eux qui font battre le cœur de notre administration publique, les membres de l'establishment de l'administration publique, secrétaires généraux, chefs de cabinet, directeurs généraux, directeurs nationaux. Ils sont parmi nous depuis le matin, tous mobilisés pour accorder à cet événement toute la solennité qu'il lui faut. Djaka. Absolument. Nous sommes tous là aujourd'hui pour célébrer 66 années d'indépendance, 66 années de souveraineté. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les prochaines, je dirais même pas 66 années, mais qu'est-ce que les prochains 5 ans, les prochains 10 ans nous réservent. En attendant, Moussa, nous allons continuer
notre traversée musicale à travers la Guinée. Et nous allons appeler sur la scène Bras Cassés. Bras Cassés qui nous ramène en basse-côte. Une autre tête forte de la chanson de chez nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? On l'accueille avec un peu de générosité dans nos applaudissements. Abdoulaye Saopit Camara, c'est son nom et c'est une carrière qui a duré 63 ans quand même. Depuis 1961, il est en fonction et il continue encore à résister au temps. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Merci à la famille artistique et culturelle massivement mobilisée
durant cette semaine de l'indépendance dans toutes les activités. Ils sont à tout bout de champ. Et c'est le lieu de féliciter le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour sa contribution à la réussite de cette belle commémoration. Djaka, Aïcha, la suite. Exactement, Daraba. Après la basse guinée avec Bras cassés, nous continuons cette interlude musicale avec Aminata Kamisoko qui nous vient tout droit de la Haute-Guinée. Aminata Kamisoko, sous vos ovations, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, nous accueillerons dans quelques petites secondes le chef de l'État, président de la République, président du CNRD, chef suprême des forces de défense et de sécurité de notre pays, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Oui, oui. Dans un instant, le général Mamadi Doumbouya sera parmi nous, notre illustre hôte. Et puis, nous accueillerons justement...